La santé connectée va révolutionner dans une certaine partie un certain nombre de prises en charge, que ce soit les prises en charge dans des nouveaux modes d'organisation qui va pouvoir se développer du fait de la rareté de l'expertise médicale dans un certain nombre de domaines, ou que ce soit dans la prise en charge des maladies par l'aide à l'amélioration de la prise en charge comme les modifications des comportements, l'observance thérapeutique, qui sont l'automesure, l'autogestion, l'autotitration, qui sont autant actuellement de choses que le monde médical a beaucoup de mal à mettre en place. Jusqu'où peut-on aller ? Dans le champ de la télémédecine, c'est le même champ que la médecine. Donc les niveaux de responsabilité réglementaire, scientifique, déontologique sont parfaitement cadrés. Un acte de télémédecine, c'est un acte de médecine, c'est dans le même champ, dans le même cadre, dans les mêmes limites, avec les mêmes précautions, et notamment pour ce qui concerne le secret médical et la confidentialité. Le champ de l'e-santé, en revanche, on est beaucoup plus proche du champ de l'e-commerce, notamment dans le domaine du bien-être. Et c'est vrai qu'entre les deux, la limite est parfois floue. Une personne qui va utiliser un bracelet connecté pour surveiller sa fréquence cardiaque quand il fait du sport, si c'est quelqu'un de jeune, sans pathologie, on est dans le bien-être, welfare. Si en revanche c'est un patient qui a une insuffisance cardiaque, une insuffisance coronarienne, ça doit se faire sous contrôle médical. Donc le champ dépend du contexte. Que préconisez-vous par rapport à l'assurance maladie comme prise en compte de cette santé ? Si l'industriel, le développeur, le porteur du projet demande une prise en charge par la collectivité, à ce moment-là, l'acte doit être évalué comme tous les autres actes et tous les autres programmes de médecine. Et cette évaluation se fera au regard et en comparaison des stratégies existantes. Et donc, on accordera alors un service médical rendu et une amélioration du service médical rendu. Et l'avis sera positif si ce programme, ce dispositif, apporte une amélioration par rapport à ce qui existe, que cette amélioration soit purement technique ou amélioration en termes, par exemple, d'accessibilité aux soins. Où en est la France dans ce domaine ? Alors, on dit traditionnellement que la France est très en retard par rapport à l'étranger. Mais ça dépend par rapport à quel pays on compare, parce qu'il est évident que quand on a des pays avec des problèmes géographiques particuliers, comme le Canada, l'Australie ou même les îles nord-américaines, les besoins sont totalement différents. Et donc on a développé des solutions adaptées aux besoins géographiques et à l'isolement des patients. En France, on ne connaît pas cette situation. Donc ces solutions ne sont pas mises en place, mais on n'en a pas besoin. En revanche, quand on est dans des domaines où les besoins sont identiques, ça suit son cours. Disons que l'aspect technique, réglementaire, administratif est un petit peu plus compliqué en France que dans d'autres pays, mais il n'y a pas de distorsion extrêmement importante par rapport à d'autres pays.